Eh, hey, beau gosse. Oh, beau gosse. Viens voir, j'ai un truc à te dire. J'ai pas d'oseille, frérot. Non, mais viens, c'est important, c'est important. Cousin, je viens de m'acheter une paire à 200 balles, je peux pas, frérot, je suis désolé, j'ai pas le temps. Deux secondes. C'est une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. D'abord, cette question, les entreprises européennes installées en Chine, les mains attachées dans le dos, peuvent elles ignorer le sort réservé à la communauté ouïghour? La question se pose après les révélations la semaine dernière du consortium international du journal. Ouais, c'est moi. Ok, je t'ouvre. Vas-y. Ils bénéficient de la réduction en esclavage d'un peuple. En fait, tous ceux qui achètent ces marques, ils sont complices de ces crimes. Donc toutes ces marques-là, faut plus acheter, c'est mort. Ça va ou quoi, les gars? Bien. Ça va ou quoi? Bien. Et ça va, Jo? Ouais. Qu'est-ce que tu dis, toi? Tu boycottes ou quoi? Eh, main, merci, bien vu pour l'invite. Hein. Mais t'inquiète, c'est la famille. Donc tu boycottes ou pas? De quoi? Bah, gros, t'es sérieux? Ça inonde tout, là, c'est partout. Le gouvernement chinois, les Ouïghours, ça te parle pas? Ah ouais, putain, j'ai vu ça tout à l'heure, là, c'est un truc de ouf, non, ce qui se passe? Bref, frérot, déjà, dis bonjour. Frérot, attends, parce que là, on est en train de parler d'un vrai truc. Bah, vas-y, on vote, là, on est en démocratie. Oui, enfin, de moins en moins, quand même. Yes. Évidemment qu'on boycotte, quelle bande de tarbasses et noix chiffres. Non, mais on dit le gouvernement chinois, Joe, enfin. Qui nique leur mère, quoi. Vas-y, arrête tout de suite, là, de dire nique leur mère, c'est un truc de ouf, ça. Dis nique leur père un peu, je sais pas. Quoi, que ça se fait enculer, quoi. Non, même ça, tu peux plus dire. Putain, c'est la première fois que je te vois en chaussette, toi. Bref, je boycotte, je suis avec vous, les gars. Vas-y, tu veux une bière? Ouais. Merci. Je croyais que t'étais féministe, toi. Non, j'ai pas l'impression d'être complètement féministe. Non, mais en fait, soit t'es féministe, soit t'es misogyne, donc faut faire un choix, non? Alors du coup, toi, soit t'es bourge, soit t'es France Insoumise, c'est ça? Y a pas non, de... Non, mais t'es pour ou contre l'égalité homme-femme? L'égalité femme-homme, tu veux dire? Ouais. Ouais, eh ben non. Bon, allez, vas-y, arrête de dire de la merde. Évidemment que t'es féministe, là. Fais pas ta pute, fils de pute. Hein. Ah ouais. Franchement, les gars, les gobelets, c'est abusé, là. On avait dit plus de plastique. Je sais, mais en fait, c'est à mes darons. Bah ouais, mais dis-le à tes darons, c'est pas écolo. Oui, moi, j'en ai marre de les éduquer, ils écoutent rien à rien. Qu'est-ce que j'y peux? Juju, prends une chips, là, tu vas t'évanouir dans deux secondes, là. Ouais, ça se passe bien, ton petit régime, là. C'est pas un régime, c'est un jeûne. Ben, là, ça fait deux jours et franchement, je me suis jamais sentie aussi bien. Vous allez vous foutre de ma gueule, hein, mais... J'ai vraiment l'impression d'être connectée à ma femme sauvage. Ah bah oui, évidemment, ta femme sauvage doit être très connectée avec ça. C'est bio, ça. Et toi, Joe, avec le boycott, c'est ta collection, donc, qui va en prendre un coup? T'as pas peur d'être un peu démunie? Ah oui, ça va être chaud, toi. Il est coquet, lui, hein. Quoi, t'aimes pas plaire, toi? Non, mais c'est pas grave, on te kiffe, hein. Mais oui, t'as raison, t'es beau gosse, en plus. T'es un homme séduisant, frère. Mmh. Assume. Oui, non, mais avoue que ça va être difficile pour toi, quand même. Eh, venez, on arrête de parler politique, non? J'avoue, je suis chaud aussi, ouais. Oh, pardon, excusez-moi, mais c'est hyper important, en fait. Oui, si, ouais. Ouais, mais t'as vu, c'est pas marrant de ouf, on se fait un peu yesh, là, non? Moi, ça me fout en l'air, en vrai, ces sujets. Oui, en fait, bah oui, je suis d'accord, mais ça fout en l'air, en fait, de réduire un peuple en esclavage, ça, c'est sûr. Putain, d'ailleurs, j'ai écouté un podcast là-dessus et c'est un truc de ouf. C'est évidemment les femmes en première ligne, quoi. Sans blague. Je te jure, là, il parlait carrément de stérilisation, d'avortement forcé. Vas-y, passe-moi ton téléphone, ma génération, s'il te plaît. Mais bien sûr, le travail forcé. Ouais. Détention dans des camps de rééducation idéologique, carrément. Mais c'est l'enfer, ils sont en train de complètement effacer la culture ouïghour. Et ça, ça me parle, ça, vas-y. Non, frérot, par contre, touche pas au canapé, s'il te plaît. Ah non, je voulais le pousser pour qu'on ait un peu... Non, gros, laisse le canapé. Danse-toi. Frérot, je voulais juste avoir un peu de place, comme ça, on peut danser. Mais laisse le canapé, c'est pas chez moi. C'est le truc de ses darons, s'il faut, vas-y, laisse. Ah non, moi, je m'en fous, hein. Mais non, elle a dit qu'elle s'en foutait. Donc... Ok. Oh, l'enfoiré. Mais toi, t'es vraiment un enfoiré, toi. De cacher des pompes aussi stylées. Hey, t'es un bon, putain. C'est merde. Jo, pourquoi t'as menti? Quoi, j'ai pas menti, j'ai dissimulé la vérité, ça. Ouais, bah, c'est la définition de mentir, ça. J'avoue, ça veut dire mentir. Tu t'appelles François Fillon, quoi. Ah ouais, claque, frère. Ça, c'est mon style de godasse, ça.
Putain, je suis déçue un peu là. Hein. Bah, j'assume, y'a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'assumes de participer à l'oppression d'un peuple, c'est ça? Puis en vrai, t'as pas trop l'air d'assumer en chaussettes. Non, mais les gars, ils claquent là, franchement. C'est un truc de ouf, en plus t'as une tête de Ouïghour, ça veut dire que t'opprimes ton peuple! Mais moi, j'opprime rien du tout, je me suis juste acheté une paire de schlappes, hein. Ça va pas changer le monde, les gars. Redescendez ouais. Direct. Après, même en chaussettes, t'es frais, mon ref. Hein. Tu connais le principe d'action-réaction ou pas? Ah, c'est quoi? C'est quand t'es féministe et que t'écoutes du rap misogyne, c'est ça? Pas ça, non, c'est pas ça. En fait, c'est si tous les humains se réunissaient en même temps et sautaient, ça changerait la trajectoire de la Terre. Mais non. Ouais, mais c'est un truc de ouf, ça. Podcast. Je crois que tu te rends pas compte du pouvoir que t'as, en fait. Quand t'achètes tous les jours, bah tu votes tous les jours. Hey Joe, c'est un principe. On sait que c'est important pour toi, l'apparence. Franchement, je serais la dernière à te juger là-dessus, mais écoute-moi, en gros, c'est... Là, c'est une question d'empathie, en fait. Mais... Ouais, mais c'est une édition limitée. Enfin, hey, les gars, c'est quoi la marque de vos ordinateurs, de vos téléphones? Vas-y, sortez-moi. Pour ta fête, t'arrives à faire la différence ou pas? Moi, j'en ai besoin pour marcher, non? Moi, je. Non, mais tu comprends pas. En fait, toi, en tant que consommateur, t'as du pouvoir, t'as une responsabilité. Basta, fin du débat. Je sais pas, t'as pas envie de croire que si on s'y met tous ensemble, on peut changer le monde? Tu sais ce que c'est? Ma réelle conviction, c'est que je vais nachave parce que vous commencez à me casser les couilles avec vos principes à 2,50 balles, là. Mais non, mais là, tu fais trop le fier, là. C'est bon, calme-toi. Vous êtes vus ou pas? 5 minutes. Regardez-vous, la tête de ma mère. Téma vos têtes, vous êtes des bobos de ouf. Vous êtes là, vous faites les activistes, là. Attends, mais t'es capable de te remettre en question juste une fois, au moins? Non, mais toi, déjà, ferme ta gueule, parce que depuis tout à l'heure, tu l'ouvres, tu fais la féministe activiste vénère, alors que t'as écouté 3 podcasts dans ta life. Commence à ouvrir un bouquin, déjà, peut-être que ça va te servir. Toi, la chamane, occupe-toi de tes problèmes de schnouf, va faire une réhab. Et toi, les convictions, etc. Ferme ta gueule, cousine, t'habites à 160 mètres carrés depuis que t'es née. C'est quoi le blême? Viens chez WAM, tu vas comprendre. Eh, hey, vous savez, c'est quoi ma dernière conviction? C'est que je vous emmerde avec vos principes parce que moi je suis bien dans mes baskets. Ah ouais, t'es surtout droit dans tes bottes, toi, je crois. Ouais. Non, mais Joe, pars pas par contre. Non, mais reviens, Joe. Mais oui, oh là vas-y, là, on s'en fout que tu réduises un peuple à esclavage. C'est nul de réagir comme ça. Non, mais tais-toi, en plus elles sont horribles, ces vieilles godasses là. Ah, elles sont claquées les pompes. Ça va? Ça a bien claqué, là. C'est parce qu'en fait, on n'utilise plus de sachets en plastique. Ça pollue, donc... on a dit non. Stop. Eh ben, bonne journée. Allez, on y va, nous. Mais quand tu penses qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende pas... Coluche. Tu fais quoi, mec? Ce que je voulais te dire tout à l'heure. Attends, tu fais quoi, là? Tu me prends pour un mendiant ou quoi, là? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Attends. Vas-y, donne quand même, on sait jamais. On sait jamais, ça peut servir. Donne. Bon, entre nous. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as perdu ton boulot? Ta femme t'a quitté? Ta mère est morte. Mais alors quoi? Bon allez. Courage!